C'est pour leur donner l'instruction et leur bénir. Amen. Prie Dieu qu'il ouvre ton oreille, ta manière d'écouter soit différente et que tu sois béni à travers le message de ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous recommandons ce temps de te donner. Ce temps est si favorable pour un jour. Jésus, que je puisse t'écouter, sois le seul maître. Tu as dit dans ta parole. Personne n'a vu en Seigneur, fais le toi. Tes enfants. Mais là, j'ai tenté d'avancer.
sont ceux de l'ennemi. Mais rassure-toi que tu as une place. C'est ceux qui s'amènent et comme on est, comme un mieux. Parce que si tu ne manges que le poulet, que tu n'as pas de place là. Parce que ceux qui ont concombre, on ne sait pas le même mot à ma tasse, comme on est, comme un mieux qu'on est. Tu vas être le plus malheureux de tous. Parce que le Seigneur nous a précédés. Selon qu'il est écrit dans la Bible. Il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Quand Pierre disait, non, tu ne mourras pas. Jésus répond. Arrière de moi, Satan. J'ai compris que Pierre. Ça, nous voulons, parce que vous savez que nous commençons une nouvelle marche. Laissons d'abord beaucoup d'interprétations. Sans la vie de la prière. Parce que moi j'ai compris que dans cet évangile, les gens se sont mis à discuter sur les Écritures. Mal à l'aise. La Bible dit, femme, soyez soumise. Voici, ça va. Maintenant,
Amen. Tu vois? Je suis même pas les noms. Femme, frère soumise. Moi, si ça va tout. Tu es une femme, bravo, mon Seigneur. Est-ce que tout ce que Dieu dit, tu le fais? Eh oh, je suis le bravo. C'est là où j'ai dit, frère. Quand tu prends l'écriture, que je moi, faites attention. Donc, si ta femme a la maison, il refuse de se soumettre. Ne va pas prendre l'écriture. La Bible dit. Non, non, il y a des derniers. Comment tu procèdes pour l'avoir? C'est ce que le Seigneur aussi fait avec nous. Quand il se rend compte qu'il donne une parole, que tu ne te soumets pas, le Seigneur a des techniques pour t'avoir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a des techniques pour t'avoir. Il fait des choses où tu vas sentir l'amour de Dieu. Tu sens un peu la chair de poule. Et tu vas servir le Seigneur avec ton argent. Parce que quand on te dit donnez-nous 200 dollars pour le loyer, ceux qui t'ont donné le PCB sont comme il va répondre à foutre à date. Vos femmes, soyez soumises. Moi, c'est ça la communauté. C'est ça l'écriture. Jésus demande l'argent. Soumets-toi. Là, tu commences tes explications. Tu vois, tu ne peux pas te soumettre. Moi, on se dit la communauté. Tu vois, Dieu. Ce monde, c'est ça. Payer mon téléphone. C'est aussi comme ça dans la maison. Et Dieu te comprend. Mais il te rappelle que tu dois. Je parlerai dans 5 minutes. Parce que nous allons prendre 30 minutes de prière. Nous allons prier pendant 30 minutes. Tu auras le temps de prier pour le Seigneur. Nous prenons Deutéronome chapitre 3. J'avais donné l'écriture. Ultima, Esaïe chapitre 33,
Isaïe 2:7, verset 20. Nous l'avons en gros, on a tout coupé dans les membres. Esaïe chapitre 33. Isaïe 2:7, verset 22. Nous l'avons en tout coupé dans les membres. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre roi. Yahweh Azali Mokozito Kumunabiso. C'est lui qui nous sauve. Yende Akobiki Sabiso. Amen. Ce sont les deux textes que nous allons expliquer pendant une vingtaine de minutes. Yangonde Mikapomi Bale Otokolimbo Langona Mwa Miniti O. Deutéronome nous dit ceci. Il a choisi les premiers surpris, car là est caché l'héritage du législateur. Il marche en tête du peuple. Si tu t'écartes de ma voix,
devant les peuples. Et c'est vous, le souverain. En d'autres termes, c'est lui qui fait la loi, mais en même temps, les modèles de conduite. Il a fait la loi, comment marcher, partout lui-même vient devant les peuples. Amen. Donc nous comprenons que Deutéronome, Dieu parle d'abord de lui-même. Il fait la loi, mais il place la loi devant pour conduire. Et c'est vous suivez. Maintenant, Esaïe dit ceci. Car l'Éternel est notre juge et notre législateur. Esaïe vient nous faire comprendre. Le législateur, il est en même temps l'exécutif. Mais il continue pour dire, il est aussi juge. Donc il donne la loi. Lui-même il juge. Donc, il n'a pas besoin de t'envoyer voir un autre juge. Ce sont les différents costumes de Dieu. Donc il te donne la loi. En même temps, lui-même va te juger. Je vais dire une chose. Vous allez comprendre une chose. Frère. Que les juges, selon ses écritures, ils marchent devant les peuples. Quand les juges marchent devant les peuples, il devient les lions. À quoi cause? Vous voyez ça? Parce que quand Israël campait, l'Écriture dit, celui qui commençait la marche, c'est Judas. Donc si Judas ne se met pas en marche, le peuple ne peut pas suivre. Donc nous comprenons que c'est Judas qui passe et vous, le peuple. C'est le législateur. Amen. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Judas passe devant, il est en même temps. Car l'Éternel est notre juge. Zambi, Yawazali, Mosambis, l'Éternel est notre législateur. Yemoko, Zali, Mokomina, Mobeko. L'Éternel est notre roi. Yemoko, Pemo, Konzi. Donc nous voyons que ici, Adomonete, Awa, l'Éternel est à la fois parlementaire. Yemoko, Zali, Mobate, Mobeko. Il est le gouvernement. Yemoko, Zali, Mokambi. Et il est le président. Yemoko, Zali, Pe, Kumu. Donc c'est le roi qui conduit. Pourquoi j'ai évoqué ces écrits? Pour te dire que si tu es en difficulté, c'est lui qui a établi la loi, c'est lui-même qui va te juger, et c'est lui-même qui va te sauver. Amen. Amen.
Et puis arrivé à son neige mouvement. Alors l'Éternel va appeler la sage-femme. Parce que je t'informe que Moïse et Aaron, ce sont les sages-femmes qui vont aller faire accoucher. Parce qu'ils sont arrivés là-bas. Ils ont dit à Pharaon, il est temps que tu libères mon fils. Adam, as-tu mangé?
Quand un problème ne peut pas avoir la solution. Parce que c'est lui-même qui a créé ton problème. Si tu attends, si tu m'attends, tu vas me signaler ma loi.
Parce que chez Michel,
suis le représentant légal. Vous savez que c'est des guesses. Il c'est des va appeler à porte-parole. Il dit va chercher monsieur. Ils sont allés chercher monsieur. À qui vous fallait? Quand vous comprenez monsieur, c'est lui qui avait l'esprit de mensonge. Il commence à exhorter Michel. Nous sommes arrivés là. Nous avons tous prophétisé. Que le roi va remporter la victoire. Mais il avait oublié que l'esprit des mensonges ne peut pas entrer dans Michel. Michel arrive devant le roi. Mika, comme nous sommes. Le roi dit, oh Michel, oh Mika, qu'est-ce que tu dis à propos de la guerre? Oui, il y a un ami qui ça et tout. Michel regarde, Mika, t'es là, et dit que vive le roi. Et dit que tu es tu vas aller en guerre. Tu vas l'emporter. Le roi dit, non, Michel, je te connais. Mika, il dit, toi, je te connais. Dit, comme j'ai petit, mais dis-moi. Le bel angaï. Michel, la blague. Mika, ton bonheur. On va attacher au char.
Comme makila. Et c'est vous le suivez, frère. On doit la nana malam. C'est-à-dire la mort du roi. Il doit être qu'on couvre la mort. A donné du sang au chien. Père, si makila pas la bamboua. Oh, qu'est-ce qu'il vit les chiens? Et nous, on va de banane. Ce sont les animaux impurs. Et la ligne de banane en bindo. Nous qui étions loin. Ils sont les animaux. Nous n'avions pas le droit de citer. Ils sont les animaux. Nous n'avions pas le droit de citer. Nous sommes les animaux. Nous n'avions pas le droit de citer. Je veux que tu pries. La ligue est au sommet. Que tu pries les seigneurs. La ligue est au sommet de la colère.